Les personnes intéressées par cette conférence de presse, annoncée tout d'abord sur les réseaux sociaux par le collectif Bastine Non Merci, se sont tout d'abord réunies sur la commune de La Grève-sur-le-Mignon, à hauteur du camping municipal. Pourquoi, voilà, très bien. Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? Parce qu'on est sur un territoire représentatif, très représentatif du territoire, avec une rivière qui coule à l'envers aujourd'hui, comme sur l'Authis, donc le Mignon coule à l'envers et retombe dans la nappe phréatique. Ma dernière question, qu'est-ce que vous demandez ? Nous demandons la création d'une cellule de crise pour créer un projet de territoire avec les agriculteurs, avec le gouvernement, qui permettent de mettre en place un modèle agricole vertueux, adapter les ressources en eau disponibles. Qu'est-ce que vous craignez ? Donc l'annonce du gouvernement fait mercredi à l'Assemblée nationale qui promet des centaines de bassines sur le pays. On n'en veut pas ! Et les 16 bassines des Deux-Sèvres sont un élément représentatif donc, et charnière. Partir, on ne veut pas des 16 bassines ni, du Marais Poitevin, ni et voilà. Des centaines mais de bassines. Mais soit concret, on est dans les Deux-Sèvres, c'est le journal de France 3 Poitou-Charentes. Il faut quand même une raccroche locale. Concret. Voilà. Était aussi présent sur les lieux du rendez-vous plusieurs représentants de la gendarmerie. Des échanges très courtois d'ailleurs ont eu lieu entre le personnel militaire et les participants à la conférence. En ce qui me concerne, quelles sont les raisons de ma présence ? Eh bien, la polémique engendrée par la construction des bassines m'intéresse d'autant plus que l'environnement proche de mon habitation est, semble-t-il, impacté par les pompages directs dans la nappe phréatique pour alimenter les bassines. Ce qu'on perçoit surtout, en fait, c'est que le seuil d'arrêt des pompages est encore largement trop bas. Et donc, il faut absolument remonter ce seuil et donc diminuer encore les volumes. C'est-à-dire qu'on a diminué de moitié les volumes prélevés dans la nappe phréatique. Et malgré cette diminution de moitié, eh bien on s'aperçoit que le résultat n'est pas là. Quoi. Aujourd'hui, on est au mois de juillet et on est dans la rivière de l'Authis. Et comme vous le voyez, là, l'Authis est presque vide. Et c'est parti dans ces maïs qui sont ici à cause des bassines. Cette polémique est devenue un sujet d'actualité politique majeur dans le domaine de l'environnement et engendre prise de parti et manifestation du monde agricole. La première agression a lieu au croisement de la D114 et d'un chemin communal d'accès au hameau de Villeneuve. Les premiers véhicules du convoi de presse tournent vers Villeneuve. En ce qui me concerne, je suis au croisement avant de tourner vers ce hameau. Je vois deux engins agricoles arriver à vive allure en occupant la quasi-totalité du chemin communal. Les quatre véhicules engagés sur le chemin communal sont forcés de se réfugier sur la banquette de droite. La scène, elle, est filmée par le véhicule qui me précède. Le tracteur tourne sans s'arrêter, sans ralentir sur la départementale. Il occupe les trois quarts de la chaussée et je suis obligé de rouler dans le fossé de droite. Nous pouvons vérifier la vitesse des engins agricoles car un onglet sur Google Earth nous permet de calculer la distance d'un linéaire. Il suffit de prendre deux points de repère, l'un à l'extrémité de la haie sur le chemin communal
soit le point A, l'autre au niveau du carrefour avec la départementale, soit le point B. L'utilisation des données nous donne une vitesse d'environ 43 km/h pour le convoi agricole. Cette vitesse n'est pas conforme au code de la route. Le procès-verbal des gendarmes nous accompagnant est déposé devant le tribunal au même titre que nos dépositions. Constate toutes les infractions. Par contre, cet attelage roulant à plus de 25 km/h sur une route doit être conforme à une norme d'équipement de freinage. C'est-à-dire, le tracteur, la remorque doivent être équipés d'un double circuit hydraulique de freinage. Le code de la route stipule que le plus gros véhicule doit laisser passer le plus petit et aussi un véhicule de plus de 2 mètres de large doit s'arrêter, voire même se garer pour laisser passer une voiture de tourisme. Quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivons sur les lieux où doit se dérouler la conférence de presse, avec, en arrière-plan, la présence et la vue symbolique d'une bassine. Tous les véhicules se stationnent correctement sur la banquette de droite. Soudain, les deux engins agricoles reviennent et surgissent à pleine vitesse dans notre dos. Ils me rasent lors de ma descente de voiture. Puis, j'entends un bruit de choc. Je filme. Bravo. Vous les avez pas vus parce qu'ils sont arrivés. Là, faut qu'ils aillent les arrêter. Bravo. Vous les avez pas vus parce qu'ils sont arrivés. Là, faut qu'ils aillent les arrêter tout de suite. Là. Faut qu'ils aillent les arrêter tout de suite. Il y a un véhicule qui ne peut pas rouler et nous, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des irrigants là un peu tout autour, on ne sait pas trop. Nous, on ne peut pas bouger, ça, je suis désolé.
Ça vous arrange peut-être pas dans votre organisation, mais c'est comme ça. Je suis désolé. Nous, on est obligé de rester. Un espèce de, comment on appelle ça, un porte... un fenouil, un gros fenouil là, de porte-botte, voilà. Donc ça, vous voyez, avec les quatre branches de la fourche devant, vous voyez un peu l'engin, comme c'est dangereux, quoi. Parce que la personne était... Il ne me parle que détérioration, j'ai dit non. Non. Et la personne était loin du coup de Fenwick là ? Non, tout va bien. Il a essayé de tromper dans des gens. Pas juste dans un véhicule. Oui, dans un groupe de personnes. Ouais. Il a reculé dans un groupe de personnes. Ce sont les journalistes que j'ai envie. Intentionnellement. Ouais. Il a fait une marche arrière, après il a foncé devant. Oui, moi je l'ai vu de loin, mais il y a beaucoup de témoins de près. Ouais. Ah oui, bon, et toi, tu es témoin de près, tu l'as vu. Bah oui, j'étais dans la voiture juste derrière. Donc, véhicule juste derrière. Et de loin, je l'ai vu aussi bien. Il a reculé intentionnellement dans une voiture occupée avec des gens très proches. Donc c'est une tentative d'agression, qu'une personne aurait pu rouler sous le Fenwick. Oui. Et délit de fuite. Aussitôt, j'ai vu, c'est un délit de fuite. Donc ce sera constaté par un dépôt de plainte. Bonjour. Ils avaient des bouteilles. C'est là où ils en ont pas.